Sur le pont Pegasus d'origine, on aperçoit d'ici à travers les arbres le nouveau pont qui se trouve maintenant sur le canal à sa place. Donc, le nouveau pont, il a été construit en 1994 pour remplacer celui-ci qui était devenu trop vieux. Les soubassements commençaient à présenter des signes de faiblesse, donc voilà, il fallait le changer. Et les gens de la région demandaient à ce qu'on fasse le même pont. Donc c'est pour ça que les deux se ressemblent beaucoup. Bon, le nouveau est un petit peu plus long et un petit peu plus large aussi. Et donc lorsque le nouveau pont a été installé, l'original a été mis dans un champ, pas très loin d'ici, jusqu'à ce que notre musée ouvre. Alors notre musée a ouvert en 2000, donc le pont d'origine est resté dans un champ un petit peu plus de 6 ans. En fait, le musée a dû acheter le pont à l'État français. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est qu'au départ, l'État avait prévu de donner le pont aux ferrailleurs. Le pont devait être détruit. Comme vous pouvez l'imaginer, les Normands et les Britanniques n'étaient pas vraiment d'accord avec cette idée-là. Donc ils ont créé une association pour tenter de sauvegarder le pont. Et donc finalement, le musée a pu acheter le pont auprès de l'État pour 1 franc symbolique, donc pas très cher. En revanche, il a fallu dépenser 2 millions de francs de l'époque pour déplacer le pont de quelques centaines de mètres et le mettre ici dans le parc. Alors, on va reparler maintenant un petit peu plus en détail du jour J. Donc effectivement, ce pont, il a pu être libéré grâce à des planeurs, 3 planeurs. Le premier planeur s'est posé à 45 mètres du pont. Il y a justement 45 mètres entre l'endroit où nous sommes et le musée. On vient de les parcourir. Vous voyez que ça fait tout près. Vous remarquerez aussi que le musée a la forme d'un profil de planeur, un petit clin d'œil. Alors évidemment, le pont Pegasus, il était gardé. Habituellement, il y avait une vingtaine de soldats allemands pour garder le pont. Sauf que ça, c'est la sentinelle de jour. Or, les planeurs britanniques se sont posés en pleine nuit, aux alentours de minuit. Donc la plupart des soldats allemands étaient en train de dormir. En réalité, cette nuit-là, il n'y avait que 2 soldats allemands qui étaient effectivement sur le pont. Alors, vous allez me dire, c'est vrai qu'un planeur, c'est silencieux, mais quand ça atterrit, ça fait quand même du bruit. Donc les deux allemands qui étaient là auraient pu réagir, faire quelque chose. En fait, avant l'arrivée des planeurs britanniques, tout le secteur dans lequel on se trouve avait été bombardé par les Alliés, ce qui arrivait assez fréquemment, donc ça n'avait rien d'inhabituel, en tout cas pour les deux Allemands qui étaient là. Lorsque le premier planeur s'est posé près du pont, ils ont entendu du bruit, c'est vrai, mais ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont pensé que c'était l'aile d'un bombardier allié qui venait de tomber dans le champ juste à côté. Donc ils n'ont pas réagi. Et à 45 mètres entre le premier planeur et le pont, c'était bien vite parcouru par les Britanniques. Là, l'effet de surprise a joué complètement son rôle. Donc, vous l'aurez compris, le pont Pegasus a pu être libéré rapidement. Avant minuit et demi, le pont était pris. Alors, ceci dit, d'autres soldats allemands se trouvaient dans le secteur. Certains d'entre eux s'étaient installés sur le toit du château de Bénouville, qui n'est pas loin d'ici, mais qu'on ne peut pas voir. Il est dans cette direction-là. Il y avait aussi des soldats allemands dans le clocher de l'église de Bénouville, qui est de l'autre côté, mais qu'on ne voit pas non plus. Donc imaginez finalement, de chaque côté du pont, des soldats allemands qui surveillaient. La difficulté, en fait, pour les soldats britanniques, ce n'était pas tellement la libération du pont, c'était surtout de tenir le pont jusqu'à ce que les commandos qui débarquaient sur les plages, au petit matin, les rejoignent ici sur le pont, donc à midi. Alors, ces commandos sont arrivés seulement avec 2 minutes de retard, donc pas mal, mais il a quand même fallu tenir le pont depuis minuit et demi jusqu'à midi, ce qui fait quasiment 12 heures. Mais durant ces quasi 12 heures, depuis le château et depuis l'église, évidemment, les soldats allemands tiraient de chaque côté. Les soldats britanniques avaient reçu des ordres bien particuliers. Alors ça, on le sait grâce au témoignage des vétérans qui ont pu nous le raconter. Ils avaient le droit de tirer dans la direction de l'église, par ici, donc. Par contre, ils n'avaient pas le droit de tirer dans la direction du château. En effet, à cette époque-là, le château de Bénouville, c'était une maternité. Il y a des mères, des enfants qui se trouvaient là, ils voulaient essayer de les protéger. Donc voilà, difficulté supplémentaire. Alors, je rappelle que le but, c'était de prendre ce pont intact. Alors, vous voyez, le pont n'a pas été endommagé. Vous avez quand même quelques impacts de mortier, ici et de l'autre côté aussi. Alors, il y a d'autres impacts que je vous ferai voir tout à l'heure. C'est de l'autre côté du contrepoids, donc on verra ça en ressortant. Mais mis à part ça, c'est tout. Donc finalement, il y a assez peu de traces. Alors c'est aussi sur ce pont qu'est mort un des tout premiers soldats du débarquement. Il s'agit d'un soldat britannique, il s'appelait Dan Brotheridge. Traversait le pont, il a reçu une balle dans le cou. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'il est considéré comme le premier soldat tué au combat le 6 juin 1944. Donc le nom de ce soldat est devenu célèbre par la suite. Et il a été enterré dans le cimetière civil de Ranville. Il y a aussi un cimetière militaire à Ranville, mais lui, comme c'était le premier, il était enterré dans le cimetière civil et il n'a pas été redéplacé après.
Donc on peut toujours voir sa tombe aujourd'hui. Alors ce fameux Dan Brotheridge, lorsqu'il a débarqué, il était fiancé. Bon, sa fiancée était enceinte. 20 jours après le débarquement est née une petite fille. Donc il n'a évidemment jamais connu son père. Alors maintenant c'est une dame, elle s'appelle Margaret. Et elle vient tous les ans ici au musée, donc en mémoire du père qu'elle n'a jamais connu. Voilà. Alors je voudrais maintenant vous montrer autre chose. Les Allemands avaient aussi installé des charges explosives sur le pont. Donc, je vais vous faire voir où précisément. Alors, c'est par là.